Ah bah tiens, Egan Bernal, le vainqueur de l'année dernière, a abandonné ce matin le Tour de France. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, c'est pas gentil ça. Mais bon. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir, c'est le naufrage des Clippers. Cette nuit se tenait le match 7 des demi-finales de conférence Ouest entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers, un match où les Clippers se sont fait humilier 104-89. La faute côté Nuggets à un très grand Jamal Murray, auteur de 40 points. Clock winding down, Murray puts up a three. Bang! Jamal Murray from downtown. Et un non moins grand Nikola Jokic, auteur d'un triple-double, 16 points, 22 rebonds et 13 passes. They will all celebrate tonight. Jokic with another pass. Ah, quand tu te mets à faire des passes dans le dos comme ça, c'est que t'as atteint un certain niveau de tranquillité quand même. Parce que ouais, du coup, côté Clippers, ça a complètement coulé avec les deux superstars de la franchise, Kawhi Leonard et Paul George, qui ont été inexistants. Les deux ont même cumulé un incroyable 10 sur 38 au tir. La franchise de Los Angeles était pourtant taillée pour gagner le titre cette année, sachant qu'en plus elle gagnait 3-1 dans la série, il ne lui restait donc plus qu'un match à gagner pour se qualifier en finale de conférence, mais elle s'est fait remonter à 4-3 et a totalement coulé. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est un immense flop. Et s'il y en a un qui est aussi bien montré du doigt aujourd'hui, c'est le coach des Clippers, Doc Rivers. Record pour lui déjà, puisque c'est la troisième fois qu'il se fait remontader après avoir gagné 3-1 dans une série. Ça lui était déjà arrivé en 2015 avec les Rockets et en 2003 avec les Pistons. Et c'est pas son seul record, puisque c'est aussi le coach qui compte le plus de défaites en match 7 en NBA, avec 8 défaites. I believe I can fly. Bref, la finale de Conférence Ouest opposera donc les Denver Nuggets aux Los Angeles Lakers. Et j'avoue qu'on a hâte de voir ça. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.